Alors les amis, voilà, on se retrouve pour un nouvel épisode sur God of War. J'espère que vous êtes en train d'aimer ce que je vous apporte jusque maintenant sur cette série. Donc, que dire de plus? Moi, je dirais de continuer. Donc, on y va. L'autre, il attend encore que j'avance vers lui. Mais bon, c'est pas grave. On va le laisser ici. On se casse. On va le laisser ici, les amis. Il y en a marre de me casser les balles avec celui-là. Du coup, maintenant, on continue. On avance à jeu. Vers le bourdelage. Et Dieu seulement sait qu'est-ce que ça va être ici. Oh non, je sais ce qui ça va être, les amis. Des On écoute la cinématique. Peut-être récupérer un éclat du burin et nous éclipser avant qu'il ne voie. Toi, Atreus. En toi. Le père de tout l'exige. Non. Tant mieux. C'est mon combat, Atreus. Va-t'en. Où est-ce que tu vas comme ça? Oh non, mon frère. L'avorton à un arc. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh oui, les amis! On combat les deux fils d'Odin, les amis. Et c'est ça le bordel que je vous disais. On va souffrir le martyre dans cet épisode. Mais bon, rien n'est impossible, les amis. Tout est possible. Donc on y va. C'est par Tegle. Tais-toi, Andouille, et combat. Wow. Je vous promets pas que je vais pas mourir, les amis. Je pense que je vais mourir quelquefois. Mais bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est que... on va y arriver. Enfin, j'espère. Il a une flèche dans l'œil, le mec. Tiens. Tiens. Quel enchaînement. Et je lui ai retiré, quoi? 1,5 cm d'énergie. Wow. Je vous jure, franchement. Ouais, Andouille, casse-toi. Me casse pas les bonbons. Nope. Oh, shit. Du coup, on continue. Tout doucement. On gère l'enroule, les amis. On doit gérer. On est obligé à gérer. Oh. Mais c'est ça, arrête. Qu'est-ce que t'es désolé. Tu sers à rien, Andouille. Du coup, on continue. Intrépide dans ce bordel, les amis. Mais bon, je pense que ça va pas le faire du tout. Ils sont trop costauds, les amis. Et j'ai pas énormément d'énergie sur la map pour dire de les de savoir les battre facilement. Oh mon dieu. J'aurais dû acheter des fragments d'énergie. Et ça, si je meurs, je me reprends. Ils sont forts, ils sont forts. Ouh. Moi j'esquive tant que je peux esquiver, mais c'est pas facile. Hein. Du coup, tiens, dans ta face. Voilà, là, je vais esquiver, non! Esquivation! Bon, lui, il est out en ce moment. Donc, il faut que je pète lui aussi. Non, lui, je peux pas l'attaquer pour le moment, là. C'est à lui que je dois faire. Ça va sûrement débloquer quelque chose. Non, pas lui! Oh merde! Arrête avec ton marteau, ça sert à rien. Oh purée. Il fait mal. Hein. Ça, on a quand même. On les a quand même un peu affaiblis. Hein, comme vous regardez. Le problème, c'est que eux aussi m'affaiblissent. J'essaie de gérer l'enrôle, mais c'est pas facile du tout. Merde, le bizarre. C'est quoi ça? Moi non plus. Pourquoi nous poursuivez-vous? Que veut Odin? Je sais pas, je m'en fiche. Viens là, bâtard. Arrête de te cacher derrière ton père. Tais-toi! M'appelle pas comme ça! Wow, tout juste. Pourquoi bâtard? Énervé, hein, le petit. C'est fou que tu aies tenu si longtemps. Tes pauvres bras peuvent à peine soulever. Mais ça va aller, ouais.
Calme-toi, Atreus. On dirait qu'ils n'ont pas retenu. Ouais, parce qu'ils provoquent, ils le font exprès. Ils le font exprès, les amis. Pour nous énerver. Tout juste. Allez. Oui. Ah là là, ça va être chaud, les amis. Non. Oui, je sais. Tu veux que je fasse quoi? Merde. Il est où, le petit? Bordel. Comme il s'est fait exploser la face, les amis. T'énerve pas, parce que sinon, tu vas pas gérer tes nerfs. Il est où? Il y a dans la neige, il est tombé, le petit. Oh, shit! Tiens, dans ta face, sandouille. Bam, merci. C'est gentil. Le petit. Bordel de neige. Wow. Qu'est-ce qu'il veut en langue avec Mimir, l'autre? Tiens. Mange mon épée, mon arc et tout ce qui s'ensuit. Mange tout ce qu'il y a à manger. Oh shit! Moi je veux ta face. Je veux ta tête, moi, comme Mimir. Je vais me la mettre de l'autre côté. Je ferai collection de têtes ici. Touche pas mon fils, sinon je te jure que je t'explose. Là, je vais crever, les amis. Impossible que je réussisse. Impossible. Pourquoi il l'appelle Avorton déjà? Moi je vais crever. Malheureusement, les amis, on a quand même gardé le coup jusqu'à un bon moment du jeu. Fin du combat. C'est dommage parce qu'on était bien parti. Ah, purée, mais je suis en train d'essayer de pas crever, les amis. Mais c'est impossible. C'est impossible. Oh, tout juste. Vas-y, oui. Ouais, je veux de l'aide, comme toujours. Mais dégage-toi même, moi. Je pense pas que je vais arriver, les amis. Voilà. C'est au moment que je dis ça que je suis mort. Ah, c'est la merde. Dommage. Donc, les amis, on se retrouve. Après autant de combats, je suis déjà arrivé au moment où ce qu'on était. Donc, on va voir si on va y arriver. Cette fois. Ils me font des feintes maintenant. C'est chaud, les amis. Bordel, ça fait une heure que je suis dessus. Merde. Quoi? Ouais, t'inquiète. Ça arrive. Est-ce qu'on va y arriver maintenant, les amis? On verra ça après cette cinématique. Enfin, cinématique. Ce QTE, on va dire ça comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Il me lance maintenant, le mec. Ouh. Atreus, reste concentré. Mais arrête de te prendre la tête. Continue à combattre. Andouille. Vas-y. Oui, non. Ouh, c'est chaud. Ça va aller, vas-y. Attaque. On m'en tue un, quoi. C'est quoi cette attaque encore? Ils font 36 000 attaques en même temps, eux. Ça va aller, Atreus, calme-toi les nerfs. Eh oh, un peu de respect, hein, pour les chiens. Hein. Non. Tu m'as rien fait, Andouille. Et je suis en train de battre... Je suis en train de me battre avec deux dieux, là. Pas avec un, pas avec trois, avec deux. Ouais, vas-y. Voilà. Cette fois-ci, je sens que je vais le péter, celui-là. Ce Aland. Aland. Wow. Il ressemble fort au personnage de Valhalla, en plus. Mais en même temps, c'est dans la même... dans la même époque, comme ça, dans la même...
même histoire, on va dire ça comme ça. Ça reste dans, dans le monde des Vikings et tout. Non, ouh, tout juste, merde. Ouh, il m'a eu. Allez, vas-y. M'en fous. Je vais te péter lui avant. Attention, il va pas mourir. Enfin, j'espère qu'il va pas crever, hein, ça va. Enfin, j'ai peur qu'il le tue, en fait. En plus, j'ai jamais vu mourir Atreyu. Non, 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 non. L'énergie. Oh, je veux de l'énergie. S'il vous plaît, de l'énergie. Je peux pas mourir maintenant. Oh shit. C'est la merde. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je sais pas comment faire, les amis. J'ai encore crevé. À moins que... Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Purée, je suis encore mort. Bordel de neige. C'est pas vrai. Oh, ça m'énerve. Ah, ça va, on reprend d'ici, les amis. Ça va. Non, t'inquiète. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, je vais les péter. Je suis chargé en bloc. On va essayer de pas tout le temps prendre les énergies. On va les garder pour la suite aussi. Du coup, lui, il me fait des attaques à la con, mais moi, j'essaie de gérer l'enroule comme je peux. Du coup, on continue, les amis. Ouais, wouhou ! Non ! Mais arrête de parler de ma mère, de sa mère, bordel. Du respect pour les chiens, Atreus. Ça fait la deuxième fois que je te le dis. Non. Dans ta face. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il fait de la breakdance. Ouh, dommage qu'ils peuvent pas s'attaquer tous les deux. Ouais, cette fois-ci, c'est pas le bois que je vais taper. Ben ouais, dans ta face, d'andouille. Wow. Oh. Ils sont possédés, en plus ils ont les yeux noirs. C'est du n'importe quoi tout ça. T'inquiète, je me débrouille bien, Andouille. Purée, mais le tir amasse à mort, hein. Et heureusement qu'il crève pas, parce que sinon je serais dans la merde. Hein. À savoir combien de fois j'aurais dû recommencer. Oh. Quel bordel. Bon, cette fois je pense qu'on est... Donnarumma. Cette fois je pense qu'on est mieux, les amis. Parce que j'ai encore, je pense, deux énergies. Il y en a déjà presque pété Magni. Voilà. Maintenant, il faut qu'on explose lui. Maudit. Vas-y, maudit, viens ici. Oh purée, comme il a poussé. Bon, fou, espèce d'andouille. Ouh. Lui, il est fort, lui. Il est chaud, lui. Il est chaud, il est chaud. Merde, il s'est repris. Il a repris de la corpulence. Magni. Cette fois-ci, je vais avec les poings. Dans ta face. Ils vont se calmer, eux. Eh, me dites pas que je vais faire presque tout l'épisode ici, moi. C'est possible, en plus, parce que... Ce combat, c'est l'un des plus infects que j'ai jamais fait de ma vie. Mais pourquoi il est à toi, le petit? C'est mon fils. Quoi, tu veux te perdre? Je te le donne, si tu veux. Si tu veux, je te le donne. Moi, il m'énerve. Et je pense qu'il va t'énerver aussi, tu vas me le rendre. Oui. Quel bordel, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Voilà. Ouais, tu vas te calmer. Sale crétin, va. Mais je casse pas les balles. Viens ici, viens ici. Il va encore surprendre, leur dalle de neige. Purée. Et j'en peux plus, les amis. C'est un truc de fou. Wow, 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 wow. Non, 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 non.
Tu vas te calmer avec mon fils, toi, espèce d'andouille, va. Non! Oh shit! L'énergie! Encore une fois, je suis mort. Je le sens. Je la sens venir, celle-là. Viens ici, viens ici, viens, 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 viens. Avant que ton frère y se reprenne, vas-y. Oh, vas-y, vas-y, oui, Atreyu, oui! Oui! Ouh. Tout juste. On y est presque, les amis, vas-y. Oui! Non, c'est mort. C'est mort, porte à purée, non! J'avais un millimètre! Un millimètre, les amis, millimètre, purée. C'est pas vrai! Un millimètre, quoi! Allez, c'est reparti, hein, écoutez. En faux! Bon, à la fin, on va arriver au moment qu'on va les gérer, c'est casse-balle. Oh. Calmer lui. Non, pas de coup de boule. Hein. Espèce de vermine. Rachidique. Pourquoi je lui ai coupé le nez dès qu'il a puni le mec. J'ai assez du ring, t'inquiète. Je sais pas pourquoi il m'a dit ça, mais bon, c'est pas grave. Et si on s'attaquerait à Moody avant de Magni? Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je sais pas si. Je sais bien que vous pouvez pas me répondre, mais bon. Je parle avec moi-même. Ça s'attaque à lui qu'il est plus fort. Il se passe quoi? Mais tiens. Oh, bordel. Il fait quoi, lui? Il se bat tout seul? Moi, je vais régler le tien, espèce d'andouille. Oh bordel. Ça s'arrête plus ici. Comme il s'acharne sur le petit, l'autre. Bon, j'ai dit que j'allais m'attaquer à l'autre, mais... Non. Fais le vide. Concentre-toi. Oui, fais le vide en toi. N'aie pas de sentiment. Mais tais-toi. Wow. Encore avec son attaque Oliver et Tom ici, je vais les appeler. Les frères d'armes ici. Captain Inazuma, vas-y. Fais-moi rêver. Ouais, t'inquiète, moi je suis assez tranquille. Il n'y a pas besoin que tu me défendes, toi, Atreus. Je suis tranquille avec moi-même. M'en fous. Donc il me reste combien d'énergie de... Voilà, je l'ai relevé. Et j'ai encore plus d'énergie, les amis. Si je crève, mais je vais péter les plombs. M'en fous. Ça ne sert à rien. Allez, attaque Inazuma ici. Bam. Oh shit, je vois rien. J'ai crevé. J'ai encore crevage. Allez, vas-y, tue-moi. Oh. Mais bordel, c'est pas vrai. Je savais, de toute façon, je savais. Les amis, je le savais. Allez, c'est reparti, les amis. Cette fois-ci, je sens que ça va être la bonne. Non, non, non. Lâche-moi. Bam, dans ta tête. Vous allez se casser les balles, cette fois. Je suis énervé. Je vais m'attaquer à Moody avant. Parce qu'on va dire qu'il est un peu plus faible. Mais il est plus fort en attaque. Mais un peu plus faible en défense. Wow, tout juste. Allez. Bon, j'ai un peu amélioré aussi mes armes, les amis. J'ai tout recommencé le combat. J'étais voir Sandrine. Et j'ai amélioré un peu mes armes. Et on voit la différence, les amis. Je pense que mes armes, elles étaient trop basses pour la...
pour le moment où j'étais arrivé, quoi. Donc il fallait que j'augmente un peu les statistiques. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez que mes attaques sont plus puissantes. Wow, tout juste. J'avais plein d'expérience et plein d'argent à utiliser, donc je l'ai fait, quoi. Pourquoi pas les utiliser? Vu que je m'approche de la fin, en plus. Voilà. Il se passe quoi, là? Encore. Ils crèvent jamais, eux. Ouh. Ah, cette fois-ci... Ouh. Comment tu fais? De quoi? Tu n'as aucune idée de ce... Sale fils de chien! C'est ton tour! Oh. Viens ici. Ah, il est faible là, maintenant, parce qu'il n'a plus son frère. Oula, qu'est-ce qu'il a, lui? Il crache du sang. Il retombe malade. Il est bouillant. La maladie. Ouais. La fièvre est revenue. Ouais. Non. C'est non. C'est faux. Atreus. La tour. Je te le dis. Le sang. Ton fils est malade et il a besoin de Freya. Non. Doucement. Ça va. Je crois qu'il va tomber. Ouais, c'est ça, ça va aller. C'est bien, petit. Il est pas bien, il faut l'amener quelque part. Il faut l'amener chez la sorcière, je pense. Mais bon, on va tenir le coup, pas? Je ne sais pas vous dire. Ouais, t'inquiète. Mon frère. Flamme de glace, légendaire. Tant mieux. Ça, c'est quoi? Wow. Alliage de l'Héptéptère. Qu'est des noms. Tellement bizarre et difficile à dire. Burin du géant découvert. Espèce de chasse-balle, enfin je t'ai explosé la face. Enfin. Du coup. Allez, on va explosion ça, les amis. R1. Et je bam. Allez, de 1, de 2. Et c'est reparti. Pour notre aventure. On aura passé la moitié de mon temps là-dessus. Ce fut ça difficile, en tout cas, les amis. Avec ça, nous pouvons graver la rune menant à Jotunheim et à votre destination. Et nous ouais, t'inquiète. Ouvrir toutes les portes fermées par un saut magique que nous avons vu, comme celle qui se trouve dans ce coin. Tu peux passer. Ah, ok, bah oui, bah voilà. Avec ça, maintenant, je peux ouvrir les portes. Enfin. Et il y en a des portes comme ça, les amis. Mais souvent, c'est des portes avec des Valkyries. Mais bon. Ça, c'est une autre histoire. C'est secondaire. Alors, c'est où ici? Je pense que c'est quand ça... Voilà, c'est ici. On tape là-dedans. Merde, c'est pas facile, hein. Donc je pense que c'est comme j'ai pensé, là. Dans mes souvenirs, c'est ça. Mais l'autre, il tousse, il est pas bien. R2. Merde. Ici. Bam. Oh, enfin. Voilà. Porte ouverte. Allez, c'est porte ouverte chez Kratos. On avance, quoi. Pas qu'un peu. C'était un dieu. Mais il l'a tué. Un as mineur, certes, mais oui. Et son père est Thor. Pas mineur, celui-ci. Pas du tout. Ça ne sera pas sans conséquences, Asgard. T'inquiète, on s'en fout. Bien de plus. Voilà. Aucun jugement. Non. Non. Mais pour ce qui est d'une vengeance. Depuis quand peut-on tuer un dieu? On s'en fout. Oula, il est vraiment pas bien le petit. Fait quand même de la peine. Hein. J'espère qu'il va pas y arriver quelque chose de trop grave. J'entends l'autre qui tape avec sa... avec son marteau. Je pense que c'est... Sandrine. Sandrine! J'arrive à... ou je... ou c'est... son frère. Bon, moi je pense que c'est Sandrine, mais bon.
Moi, je viens de là. Bon, ici. Est-ce qu'on sait l'ouvrir? Si je trouve les lettres, ouais, ça c'est sûr. Au montage, il y en a deux, Putain, il tape, hein, il travaille quoi? Il travaille pour qui, lui? Il y a tout ce boulot, le mec, qui doit faire tout ce bordel. Ou il joue de la batterie avec ses marteaux, je sais pas, moi. Donc, allez, maintenant. On est arrivé à notre destination. Deuxième lettre, elle est là. Il m'en faut encore une, mais elle est où? Je ne la vois pas. C'est pas là? Je vois une lueur bizarre. On revient en arrière? Ah ben ouais, c'est Sandrine alors. On revient au point de départ parce qu'on est, on est arrivé. Ouais. On s'en fout. Et alors? Sandrine, on fait quoi? Ah ben là-bas, il y a une porte que je dois ouvrir. Avec mon nouvel outil. Comme ils tous, le petit, c'est un truc de dingue. Par contre, je ne sais pas où est-ce qu'elle est l'autre lettre. Hein. Pour que j'ouvre le grillage. Tant pis, hein, je pense que je vais laisser tomber. Ça, ça sert à rien. Est-ce que je peux l'avoir? Donc les amis, j'ai laissé tomber le grillage parce que je trouve pas la lettre. Du coup, on va continuer vers l'autre porte pour ouvrir notre passage et aller à la suite de notre aventure, les amis. Parce que sinon, je vais rester 6-3 heures. C'est pour ça que j'ai coupé, parce que ça fait une heure que je cherche, mais bon, si je trouve pas... J'ai l'impression que le petit aille bien. Ça ne sert à rien. Ouais, il ne va pas bien du tout. Non, juste un peu. Ne traîne pas. Il est dur avec le petit quand même. Donc si le petit il est malade, c'est qu'il est... C'est pas un dieu à 100% quoi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? De quoi? Et du coup... On sait que les As trouvent eux-mêmes la voie du Valhalla. Ouais. Pas de escorte, pas de traitement aux portes des Limes. C'est peut-être un signe. C'est un bon signe, je trouve. Il me faut le diamant rouge pour exploser ça. Est-ce qu'ici on a un... Il me semblait bien qu'il y en avait un. Allez, vas-y. On va aller chercher le coffre. Le coffrage. En plein coffre, tiens, bam, mange. Oh bordel. Désolé, je pensais à autre chose. Tu pensais à quoi? Il pensait à quoi, lui? Oh purée. Comme ils tous. Il est vulnérable, en fait, à... aux maladies et tout, alors, du coup. Regardez, on est de retour à la main du géant. Ouais. Ouais. Quoi? Quel est cet endroit? Les pêcheurs ont débarqué la prise du jour dans ce port et utilisaient cette chose pour en envoyer une partie directement au Bon, fou. Le reste était trié et vendu. Il y a une sortie sous le pouce. De quoi? Trouve un moyen de passer. Sinon, je te casse ta face. Je te fais tomber malade, moi. Il y a un chemin vers la sortie de l'autre côté. Ok, mais bon, fais descendre la truc. Ah, c'est pas bon maintenant. Moi, Treyu, tu fais quoi?
Tu m'aides, t'as tes souhaits. Le petit qui est arrivé. Il tombe vraiment malade. Mais lui, apparemment, s'il tombe malade, c'est dangereux. Ouais. Qu'est-ce qu'il a? Il a mal à la tête? Il a une bronchite ou quoi? Il me fait pas peur, un petit. Je veux bien que je m'énerve et tout, mais... Ne me fais pas peur comme ça, hein. Je tiens à toi, moi. Sens-toi comment je vais faire à m'énerver. Merci. Bon. Ouais. Ça court même en douille. Incho, Ayato, ça va? Tu veux un dafalgan? Tu veux un paracétamol? Tu veux une aspirine? J'en ai dans la poche si tu veux. Je marche toujours avec des aspirines. Même dans les temps des vikings, j'avais des aspirines. Bon, regardez-moi ça, la tête qu'il a, le petit. Ses yeux sont noirs. Je sens qu'il va être malade vraiment fort, lui. Allez, on descend. Ah ben non, je vous ai fait une feinte. Du coup, il faut que j'aille par où ici, moi? Ah bah c'est par ici. On cherchage les points culminants de la porte, les amis. Et de un. Bon, ça y est? Non. Oh, ça m'énerve. Ah, voilà, j'ai trouvé. Ok. Donc c'est entre 2 et 3 coups pour débloquer la porte. Kenor. Le retour sous sa main. Nous y sommes presque. Ouais, c'est ça que je vois. On y est presque, les amis. Il me retire les mots de la bouche. Bon, ici. Moi je viens de là. Il y a un passage là. Et l'autre c'était pas un passage aussi. Escalader le corps d'un géant, chuter sur un grand marteau, affronter des dieux malfaisants. Qu'est-ce que tu crois que mère dirait? Que tu as fait d'énormes progrès. Merci. Et t'es con. Est-ce que c'est débile de faire ces choses-là? On est fou, on est des malades. On n'est pas des gens normaux de faire tout ça. En même temps, si on est famille avec Kratos, on sait pas avoir une famille normale. Hein. Elle est plus qu'anormale, notre famille. Mais bon, c'est pas grave. Plus anormale de la normale. Et plus anormale de la normale. Ça, je vous le dis, les amis. Donc on est revenu au début. On peut débloquer la porte là-bas maintenant, c'est vrai. Du coup, on va débloquer cette porte. Retourner. C'était tellement vite que j'ai même pas capté. Quoi? Bon, faux. C'est chiant leur truc, hein. Purée. Hein? Ah, et là, il y en faut 3, là. Là. Merde, il s'est échappé. Là. Je pensais qu'il s'était échappé. Quoi? M'en faut. Wow. C'est quoi encore ici? Atreus! Va chercher Atreus. Chambre cachée d'Odin. Connais, n'est-ce pas? Ah! Tamur, le géant tailleur de pierre. Eh, Tamur toi-même, hein, Tamur. Oh, oui, va se calmer, lui, Tamur toi-même. Il cherchait seulement à protéger son peuple. On s'en fout. Le premier panneau est brûlé. J'aurais préféré bien sûr. Que le dernier vienne. Viens. S'en fout.
bordel. Bon. Du coup. On fait quoi? Freya devrait peut-être jeter un œil au garçon. Non. Bah oui, il faut. On va aller voir Freya. Tant mieux. Je dois juste reprendre mes esprits. Je m'en fous. Je t'ai dit qu'on va aller voir Freya. Du géant. Nous devons découvrir la rune qui mène à Jotunheim pour la graver sur la porte spéciale, sur le pic. Ok. Et ainsi ouvrir le passage vers le royaume des géants. Tu la connais pas? Hélas, non. Mais et du coup, on fait quoi maintenant? On a dit que les géants avaient confié ce secret à Tyr. Ah. Tyr n'est pas mort. Si, bah non, qu'il n'est pas mort. Il est toujours vivant. Portée, voilà, ça que je voulais dire, les amis. Recouvert par le lac depuis des générations, jusqu'à ce que notre ami le serpent se décide à bouger. C'est là que nous trouverons la légendaire rune noire de Jotunheim. Oh, intéressant, les amis. On a trouvé le burin et le tombeau va pas s'envoler. Ce serait dommage de pas se servir du bateau. Nous verrons, mon garçon. C'est pas à nous. Donc Kratos aussi, il a peut-être envie de. D'explorer un peu. Et celui-là, on a tous envie d'explorer, les amis. Exploration, ici. Je reviens pas qu'Odin et Freya aient été mariés. Eh ouais. La haine sont entremêlés bien plus que nous l'imaginons. Vois-tu, tous les mariages sont bizarres. Et inversement. Mais la mère de Thor est pourtant la géante Fjordin, l'un des grands amours d'Odin. Eh ouais, c'est vrai. Thor est mi-dieu, mi-géant. Wow. Une fois Fjordin parti, Odin vécut dans la solitude, et alors que la guerre contre les Vannes faisait rage, je voyais bien ce qui se cachait derrière ses bravades. L'Arc des Neufs. Et après d'âpres négociations, Freya finit par accepter. Dans un premier temps, le charme a vraiment opéré. Odin avait l'air heureux, et il semblait vouloir la rendre heureuse. Il a accédé à plus de ses souhaits que je ne pourrais en compter. La paix était durable, et j'ai vraiment cru que les choses s'étaient déroulées mieux encore que j'aurais pu le prévoir. J'en doute pas. Mais le véritable visage d'Odin refit bientôt surface. Oh, il gagna la confiance de Freya, et elle lui a appris une partie de la magie Vanne, un autre choix qu'elle regretterait amèrement. En tout cas, c'est bien tout ce qu'il nous explique. Malgré les efforts de son sage conseiller pour le convaincre... Oh, le tombeau de Tyr est derrière cette porte Voilà, magique. C'est ici. En tout cas, j'aime bien Mimir, tout ce qu'il nous raconte. Ça met un peu plus de piment dans l'histoire, du sens que... Il nous explique beaucoup plus dans de l'histoire et on comprend beaucoup mieux. 2 et sûrement 3. Voilà. Et 3. Du coup, on rentre dans le... Dans le tombeau, les amis. Wouah. M'en fous. Intérieur du pont de tir. Il n'y a rien là-dessus. Il manque le panneau central. Eh ouais. Je croyais que Tyr était un dieu, pas un géant. C'est vrai, mais il était aimé de tous, même des géants. Ok. C'est le seul avec moi à qui ils aient accordé le don de clairvoyance. Je me demande si les géants ont laissé un triptyque sur moi quelque part. Comme il essaie de se faire grand, lui. Vas-y. En fait, viens voir. Je vais te montrer comment ça se lit. Ce n'est pas nécessaire. Tu m'as appris tellement de choses. C'est mon tour pour une fois. Allez, vas-y, laisse-le faire, le petit, le pauvre. Atreus. Allez, tu le parles déjà. Apprendre à lire sera un jeu d'enfant. Je sais déjà lire, mon garçon. Mais pas cette langue. Alors t'as fait la moitié du chemin. Bien. Ok. Les runes représentent un tas de choses différentes. Des dieux. Ça va. Des animaux. Attends. Oh, je vais trop vite. Désolé. Non, c'est pas ça. Tu ne sens rien. Il se passe quoi? Si, c'est vrai. Comme une odeur de... Oh merde. De pluie. Wow. Merde, il est encore là, lui.
De quoi ? J'ai mérité ce maudit marteau. Et maintenant, tout le monde va croire que je l'ai récupéré parce que Magli est mort. Je vais être la risée de tous. Mais si je te tue, personne ne se moquera de moi. Laisse-moi tranquille. Oh, idiot. Mais c'est pas vrai. Tu tiens ça de ton père ou tu crois que ça vient de ta mère? Elle était bête en plus d'être laide. C'est toi. Elle était pas laide. Elle était belle. Sérieux? Mais ma mère. Oh, c'est ouais. Vrai. Mais je vais apprendre à te connaître sur le bout des doigts. Tu comment vas ça devenir mon nouveau frère. Mais c'est ça, et bien sûr. J'en aurai enfin terminé avec ton père. Laisse-moi que je te casse les balles. Ouh. Oups. J'y suis allé un peu fort. La puissance, les amis, la puissance. Eh merde, les amis, on est mort. Donc les amis, je vous laisse ici. Donc mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez ma vidéo, partagez ma chaîne, activez la cloche pour recevoir mes dernières vidéos, commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé jusque maintenant, les amis, de tout ce que je suis en train de vous apporter. Et un grand merci pour tout, franchement, vous êtes super, franchement. Un grand merci. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.